Spectacle terminé, le rideau se referme à Dibon-Bari, dans le département du Mongo. Monsieur Ekambi Brillant. L'artiste musicien Ekambi Brillant a tiré sa révérence. Il est décoré à titre posthume. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur à titre posthume. À ses obsèques, famille et amis se succèdent près du cercueil, attifés de gerbes de fleurs, pour témoigner le vécu de Mota Mounia, entendez par là l'homme important. Brillant était mon oncle, était également un ami. Je le répète une fois de plus, jusqu'au dernier jour, c'était un homme très heureux. Il a mis en place sa maison d'édition Africa Umba. Voilà l'origine d'Africa. Brillant ne passait pas un jour sans acheter et lire le journal Le Monde. Pour être à même de suivre l'actualité internationale, non seulement de suivre, la comprendre et de l'expliquer. Monseigneur Dieudonné Espoir Tangana, évêque du diocèse de Consamba, bénit la mémoire et les œuvres d'un des rois du Makossa. Dieu ouvre le grand les bras pour accueillir et parmi Brillant, avec tout ce qu'il a fait de bien et de beau dans sa vie. Que cette espérance donne la paix à nos cœurs. Recueillons-nous donc en pensant à tout ce que nous avons vécu avec lui. Décédé le 12 décembre 2022, Ekambi Brillant entame son voyage vers l'au-delà. Ce 25 février 2023, ses camarades élèvent leur voix mélodieuse pour accompagner sa dépouille, inhumée dans la stricte intimité.